Tour 4-9, comment ça va en cette belle matinée? Encore un jour au paradis. Bon, pas de grande nouveauté aujourd'hui. Je vais continuer le béton. J'aurais dû venir un peu plus tôt. Ils avaient prévu que ça allait être couvert et en fait, c'était pas couvert du tout. Mais bon, j'avais plein de choses à faire. Donc, je vais continuer ici, là, sur la voûte. Juste avant, de vous montrer. Je vais pas vous montrer la voûte avant parce que je vous l'ai montré 50 fois, donc ça va. Donc juste avant de vous montrer ce que j'aurais fait tout à l'heure, je vous invite à cliquer dans le petit lien dans la description si les maisons bulles, les maisons enterrées et construire une petite maison pour la louer ou pour y vivre vous intéresse. Il y a un petit lien dans la description. Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que... Encore un jour au paradis. Ouais, si vous appelez ça le paradis, j'espère que c'est pas ça le paradis. Hein. Bon. J'ai super bien bossé quand même, Sally. Hein. Je pourrais pas dire. Voilà, j'ai tout bétonné là. Jusque derrière. Derrière, presque. Hop là. Presque terminé derrière. Ouais, ça va loin, hein. Hop là. Voilà. Donc il me reste pas beaucoup. Je pensais pas en faire autant. Je suis super content. Voilà, j'espère que vous aussi, Sally. Voilà, encore une journée au paradis. J'ai terminé ma journée, je vais rentrer. Je vous invite donc à une prochaine vidéo. Demain, je ne viens pas. J'ai un rendez-vous téléphonique important dans l'après-midi. Je vais le préparer demain matin. Je viendrai après-demain. Donc après-demain, ce sera jeudi. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, petite vidéo, hein. Elle n'est pas grande, hein. Je vous invite à vous abonner. À bientôt, ciao. Tout à l'heure, c'était bizarre, j'avais le tuyau là-bas, où j'ai débranché le tuyau pour me laver les mains. Et puis, ça coulait de l'eau dans le tuyau, j'ai pas réfléchi, tu vois, c'est le tuyau qui amène l'eau depuis là-bas jusqu'à mon bidon. Et puis là... Mais donc, je l'ai rempli avant. Là, il est vide. Le con, ça a siphonné. Parce que là-bas, c'était plus bas que là. Et ça a reparti dans l'autre sens. Quoi. Donc, ça va me faire peut-être l'occasion de le vider. Parce qu'il y a de la merde dedans. Il y a gros de merde. Je vais peut-être le pousser un peu et le vider. Merde, ça m'a siphonné mon bidon. Elle est pas mal, celle-là. Bon, allez, salut.